le temps d'un conte. C'est le tout petit conte du petit qui compte. 1, 2, 3, 4. Petit à petit, tu comptes un peu quand tu débloques. Pourtant, quand tu peux, t'es pas attaqué par le pic. Beaucoup de petits qui t'inquiètent, tu tapes le troc. Pas qu'un peu, t'es pas content du coup. Rythmique, c'est des pattes. Un corps, tant pis, tu coupes, sinon pas tes corps. Ta place te coûte. Pendant que tes potes écoutent, petit gâtu pour ton compte. Pour ta culture, t'explique ma culture. Pourtant, contre, je te pique un compte obscur. Pardon de l'éclate. Pour le texte qui claque, pose tes skulls depuis. Puis inscris dans mon sac. Le mal de l'homme est mal même de l'âme. Mais là, mes ménages, le sage. Et tant que t'attaques le troc du trac, t'as qu'à traquer comme à l'époque des packs qui prend ton compte pour que tu captes. 1, puis 2, puis 3, puis 4. Thank you.
Donne-moi un mot. Si, donne-moi un mot. Donne-moi un mot que je leur raconte une histoire. Alors, donnez-moi trois mots que j'invente notre histoire. Je vous écoute. Trois mots. Kirikou. Encore deux mots. Collège. Kirikou. Collège. Un dernier mot. Vas-y. Meilleur ami. Kirikou, collège. Meilleur ami. Juste le temps de ce conte-ci. Avant, je ne savais pas qui j'étais. J'avais l'impression d'être ce petit garçon trop abstrait. Alors, je me suis dit, au lieu de me laisser traiter de fou, prends position comme le petit Kirikou. J'avais l'impression de retrouver une partie de moi-même quand je regardais ces aventures folles. Je me disais que peut-être je pouvais rédiger d'autres rédactions à l'école parce que ces aventures à lui étaient complètement farfelues. Kirikou, raconte-moi tout ce que tu as vécu. Mais non. Kirikou, lui, ce qu'il voulait pour moi, c'était de faire résonner cette propre voix. Alors j'ai suivi ma voix comme j'ai pu, tu sais. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ce monde fait de... bouger chacun de mes mouvements. Alors moi je me sens complètement possédé par ce grillage. Je me dis, mais Fafa, il faut que tu vises sur l'avancée en âge. Mais moi j'avais pas compris, alors je me suis mis à nager dans cette piscine, celle qui abritait tous mes tracas que j'avais avec mes copains, copines. J'avançais, mais le courant était tellement fort que je me retrouvais propulsé dans le décor. Là, à contempler le monde et toutes ces choses qui le rendent parfois immonde. Non, je ne voulais voir que le beau dans tout ça. Je me disais qu'en étant poète, je pouvais faire résonner mes tracts. Alors, je me suis pris à mon propre piège parce que je rédigeais mes premiers textes pendant les heures de collège. Je les montrais et puis finalement j'avais trop peur. Je les gardais parce que peut-être qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Mais j'ai quand même continué sur cette voie-là. Je me suis dit, ben, voici un texte, voilà. Laisse-le vivre, laisse-le pleinement explorer le monde et peut-être qu'un jour, ça deviendra plus puissant qu'une bombe. Ouais. C'était ce que je voulais faire, mais j'avais peur, moi, de m'investir parce que j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas envisager de meilleur avenir. Alors, je restais figé dans mes idées tout le temps. En train d'avancer, mais j'écoutais pas des conseils. Non, il y avait rien, moi, qui m'allait. Je me disais, Fafa, t'es toujours ce petit, celui qu'on aimait, Kirikou, celui qui souffrait. Moi, Kirikou, je voulais lui tordre le cou parce que ses idées à lui n'étaient pas les miennes, du coup. Alors, je l'ai laissé voyager dans ses propres pages pour pouvoir dire mon propre message. J'étais là, grandi sur cette scène, mais je me sentais tellement petit, plein de problèmes. Alors j'en parlais à pas mal de monde autour de moi, qui me disaient, ce que tu racontes, bah, laisse-nous partir, papa. J'avais cette sensation toujours d'être seul, seul dans ma tête. C'est passé, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je le regrette. Parce que faut que tu saches que c'est difficile encore aujourd'hui de pouvoir trouver sa meilleure amie.
Haute, même en cas de coupant. Musique dans les oreilles, c'est comme ça que j'avance. Les passions se multiplient et puis déjà là j'avance. Si ton parcours se compose de mauvaises étapes, frappe ce fameux destin qui ne tient qu'à peine sur deux pattes. Dans le temps, le soleil montrait le chemin mais moi, je ne suis que la lune m'accompagne jusqu'au matin, la nuit. Je me posais des questions, le trajet de ma réflexion dessinait sans cesse le même rond raté. Labyrinthe mental sans issue, j'ai voulu croire au bonheur quitte à s'imaginer déçu. Alors on vit avec un espoir fastidieux, même si un jour on se dit que ça ira mieux. Peut-être
juste le temps d'un compte. Thank you.